Ah, bonjour. Alors, je vais vous montrer comment on plante la patate sur mon souhait. C'est des variétés, j'ai trois variétés, ça fait 15 ans que je les ai à peu près. Il y a de la Bleu d'Artois, il y a de la Nicolas et de l'œil de perdrix, une variété anglaise. Alors, vous voyez, des plants qui ont des trucs énormes, mais il y en a d'autres qui sont mignonnes, vous voyez. Je vais planter en priorité les plants qui sont conservés le mieux, qui ont les plus petits germes. Et je vais vous montrer comment je fais. Donc moi, je prends un sol qui n'a pas été travaillé du tout, vous voyez. Là. Et je vais poser les patates dessous, comme ça, même certains qui ont des plus blancs. Tous les plants, on peut les serrer assez, hein, pas les enterrer du tout, juste les poser au sol. Hein, on prend les plus belles. Et je vais faire tout ce rond là, juste les poser comme ça dans l'herbe. Hop. Vous voyez, donc on dispose. Je vous montre tout le plan que je vais faire. Bon, j'en ai pas assez pour l'année. J'en fais deux petites parcelles comme ça de patates. C'est juste pour le goût. Parce que j'en achète un peu. Hein, pour la saison. C'est juste pour avoir le plaisir d'avoir la moitié de l'année de la patate maison. Vous posez ça là. Et, vous voyez, je m'applique pas trop. Hein, j'essaie de garder une petite distance, mais c'est pas trop important. Parce qu'après, elles vont pousser un peu dans tous les sens. Et je les mets dans l'herbe comme ça. Hop, hop, le début de la parcelle est là. Et ici. Quelques petites bleues d'Artois. Alors la bleue d'Artois, j'en fais de moins en moins parce qu'il n'y a que moi qui les aime. Voilà, je l'appelle Nicolas là encore. Je vais mettre. Ici, il y a une place. Ici, j'en ai pas trop mis. Voilà. Après, je vais prendre la fourche. Je ne sais pas où j'ai mis la fourche, évidemment. Je l'avais préparé tout à l'heure, elle est là. Et là, je prends mon compost. Et sans tasser, même s'il y a des gros morceaux, je vais recouvrir la patate, mais à une hauteur comme ça. Elles vont mettre un mois à sortir, à peu près. Parce que il ne fait pas encore super chaud. Donc je vais simplement les recouvrir comme ça, sans tasser, mais je vais mettre beaucoup de hauteur, mais sans tasser. Alors c'est du compost pas du tout décomposé, hein, vous pouvez voir. Là, il y a de la terre aussi un peu avec. Voilà, voilà. Je vais vous montrer et à la fin, on fera simplement une photo de. Vous voyez, quand c'est aggloméré comme ça, on le secoue. On met à l'envers et j'en mets vraiment beaucoup. Hein. Je vais pratiquement mettre la moitié de ce tas-là dessus. Alors, il n'y a pas d'effort pour les enterrer, les patates. L'effort, il est pour les recouvrir. Et comme ça, on a un champ de patates, vous verrez pendant l'année. Je ferai des photos. Je ne ferai pas d'autres vidéos, juste des photos pour montrer. Et les photos de la récolte. Voilà. Surtout, voilà. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà. Donc, je vais le remplir de là à là parce que les patates sortent sur les côtés. Non, mais j'ai pas fini, Geneviève. On fera une photo à la fin. Et je vais monter jusque là facilement. Donc je ne vais pas vous faire voir tout le truc. Là, vous voyez que j'ai tout recouvert. Je vais continuer. Tu peux éteindre la vidéo.